dit bonsoir, je dis encore et n'a pas attendu Kafoulaka et sur ACR TV. À soir comme toujours, c'est avec Jean Béliard Lucien, mais je dis en, c'est nous-même qui a ouvert là parce que Jean nous dit Béliard pas là et c'est Hans et qui a parlé. Ce qui fait que nous pourrons regarder l'actualité. Nous connaissons que certainement dans ce qui a passé l'autre bois dans le pays et il y a un pile roumblé qui a fait sous question audit, un pile voie et pied et monde qui était sous pouvoir yo, gouvernement excusez-moi, gouvernement Matéli Lamotte Paul et en fait c'est surtout le groupe monsieur Sayo qui eux-mêmes et a gardé situation et qui au même tout pas ta remet que yo dérapé avec un audit et un audit son bagage qui réellement intrusive qui pral entrer dans tout nan déplacement cob sou yon parti à on l'autre en dans l'état haïtien. Ce sont bagage extrêmement important et l'autre bagage encore qui gagne comme grande actualité et nous remarquer et ces questions parce qui cap soulever là tout qui associé avec ancien gouvernement ces questions élection ce qui fait élection de fraude ça yo ça que les élections frauduleuses yo continuer à frapper imagination population haïtienne et continuer à faire fracas avec décision qui doit prendre pour faire une révision pas seulement élection entre guillemets qui était essayé qui était metté sous pied le 25 octobre, mais certainement, c'est pour ta reviser l'élection qui est faite 9 août. Et n'a pas manqué, en pile monde dans différentes communautés, commencer à longer douette sous tous les deux élections. Et une bagarre qui était faite déjà, et qui a fait depuis longtemps dans l'émission Kafoulakay, c'est que nous-mêmes, depuis au début, nous dit, c'est pour garder tous les deux manifestations d'élection ça yo parce que en réalité yo tous les deux t'est mal faite d'ailleurs même gouvernement américain lui même l'obligé à avouer que l'élection 9 août yo pas bon cependant nous remarquer que grand parlement qui tout côté que yo metté que yo édifié et qui sorti de l'élection ça so nous pour regarder pour nous voir si nous gain et Jean Béliard Lucien Soulina avec nous. Ce qui fait que c'est ça que nous avons essayé de garder. Mais pendant ce temps, il y a une bagarre que nous pourrions faire. Et nous pourrions commencer à élaborer. Mais nous avons demandé tout. Et nous avons gardé un autre point que nous pensons qui est aussi extrême, qui est aussi important. Et c'est un troisième point. Et le troisième point, ça, c'est la démarche qu'a fait en d'un parlement pour résister. Et ça nous a relé pour résister confirmation. Et premier ministre désigné, premier ministre que président Prévert choisi, de ce fait et Fritz Jean négio tout négio à voyer pied et surtout nous ouais que OPL qui était toujours à jouer les deux jeux est obligé prêt à l'obliger de plus en plus fait être paraître plus clair dans chaque situation et c'est toujours sa situation ça a toujours fait c'est que l'on situation a évolué réellement li réellement barou une opportunité pour capable ouais sous chaque bois qui est capable prendre telle position qui est capable membrer tête yo qui est capable démembrer tête yo puis capable al prendre l'autre position face à réalité à sous réalité à lui-même li mouvante li son bagage qui très dynamique et tout moun sa yo est fort que obligé à faire c'est faire des réactions parce que il y a même tout, il y a déjà conseil de position, il y a des fois qui camoufle, vous comprenez? Ce qui fait que leur situation ça vient paraître, il y a plus lumière et il y a opportunité puis capable et plus monde ouais côté mère, elle veut dire que mère était dans fait noir, mais de plus en plus, il vient obligé à ouais mère de gens pour agir. Et d'après information là, il me semble que nous gain Béliard Soulina, n'a dit Béliard bonsoir. Donc et pourquoi ça, et excusez-nous, je t'ai suggéré peut-être que nous prenons une pause, parce que nous avons des appels là pour venir qu'on y a. Mais nous prenons une pause et puis nous regardons pour nous voir si nous sommes capables de joindre pour nous mettre Béliard Soulina avec nous. Allô? Allô? Béliard, vous tenez-moi? Oui, très bien. Ok, très bien.
pour une petite pause et puis on va retourner avec Nia. OK, d'accord. Band represent their portrayal. They had a lot of different sections. It was actually a large band. It was beautiful. It had an interesting concept. And right now we're waiting for other bands to present their band portrayals as well. So stay tuned for the other band portrayals. Bon, a dit tout auditeur avec téléspectateur, nous finalement gain Belial Souline et dans une minute là, n'a pas pause. Et on pose qui est assez courte et puis on a retourné avec Jean-Bélier Lucien et co-animateur et pour nous attendre exactement comment la situation ça nous-mêmes nous pourrions évoluer sur la question conjoncturelle et puis pour nous capable de retourner bien vite. Kimbe ferme, on a retourné dans quelques minutes. Merci. Okay, so how many sections did you have and what did each section represent? We originally had 19 sections, but on stage today we present New Guinea Pride. Et encore un petit bonsoir, on a attendu Kafou Lakay sur ACR TV. Nous avons Jean Béliard, Lucien Soulina. Alors Béliard, une bagarre que nous faisons sur le fait, c'est que nous gardons différents points parce que nous-mêmes, nous sommes capables d'élaborer, nous avons gardé questions. Et surtout, vous et pieds cap fait sous question audit là, côté que il y a des forces là qui cap gonfler koyo puis il dit non à audit. Et il y a l'autre force, c'est en même temps tout, il y a des gens qui dehors, ça veut dire qu'il y a la diaspora qui a demandé pas seulement audit, mais qui a demandé tout que gon sorte de ou investigation qui t'a dû ouvert avec nouveau CEP que y a monté un puis au fond réévaluation de élection 9 août et 25 octobre hein? Ce qui fait que m'a voyé ma être là-bas on a du Bélier bonsoir et encore nous bien content au jeune. Bonsoir Hans, bonsoir tous les auditeurs et téléspectateurs, c'est un plaisir à toi encore une fois. Donc à toi pour nous essayer jeter un coup d'œil pour nous garder dans différents routiers. Ça a bien joué nous, ça qui est passé. Si on a fait une mise en contexte de situation politique là, dans le pays d'Haïti, c'est d'abord une situation qui est caractérisée par une montée en puissance de quatre pouvoirs qui sont déchus, comme on a dit, et qui montrent de plus en plus à travers alliance OPL, PHTK, et c'est une bagaille qui me trouvait que qui me mettait accent sous lui, c'est alliance entre OPL et PHTK, au côté et au l'autre côté OPL qui a joué sur l'autre clavier comme qualité groupe 8. Et je ne sais pas qui groupe 8 pour expliquer question ça, mais le fait est que OPL, PHTK, vous criez que c'est presque le même bagaillon. Le sens a cementé, un, je ne vais pas faire quorum si le président, le premier ministre président choisi a fini. Vous dites, monsieur, faire quorum, quel que soit ça, monsieur, dit, doit accepter les ballons vote de nos confiances. Là, nous sommes en position de défiance claire que monsieur a affichée. Position de défiance, ça, ou t'en aimes un? Ok. Position de défiance, ça, qui est affichée, ou bien, traduit par une position de refus systématique de camp PHTK pour crier et allier. Et c'est même ça, une barrière qui fait bruit, c'est un sénateur qui sortit dans la zone sud-est là. C'est lui-même, en pile bataille qui est faite pour monsieur, pour être arrivé d'une sénateur contre Kamatelia, et le sénateur ça a retour le jour de jeudi, c'est avec Kamatelia la focus en national. Et de plus en plus, vous avez des voix qui ont monté au créneau, qui vous dénoncent monsieur, vous vous dites monsieur, si vous devez faire toute voix ça, toute bataille ça, pour la rentrée, pour l'emploi avant Kamateli, pour que ça... avec raison, c'est deux bagailles qui, comme on a dit, pas l'étranger. Un, il n'y a pas l'étranger des questions de commission de vérification. Deux, il n'y a pas l'étranger des questions de audit sous passé matériel. Il y a un bagaille qui passe aujourd'hui,
qui n'est pas bon du tout pour pouvoir Matelia. C'est question audition, Ignacio Lula da Silva, ancien président Brésil là, que yo tenoni l'ont affaire de corruption, l'ont comparé de Petrobras. La gaïta, c'est tout pour l'abdi, pour qu'il s'en travaille en fait, tout. Parce que si, compte tenu, président Paet là, on parle de président privé, les dirigeants qui sont l'État dans une situation catastrophique, or, et puis Mounsayo a demandé pour privé à entériner le coup d'État 9 août à 25 octobre là, même pas le coup d'État électoral 9 août à 25 octobre là, c'est deux élections malades. Le ça a été organisé, et puis, pas qu'à le 22 janvier, conscient, eh bien, il y a quelques temps là, une tentative de récupération du 22 janvier qui a fait à travers le pouvoir. C'est comme ça, semaine ça, nous, oui. Il y a un moment au créneau, que c'est du côté PHTK aujourd'hui, qui est sorti, nous avons Jovenel Moïse sur Radio Caraïbe qui a parlé, tout lieutenant, monsieur, capitaine ou général, qui l'a clampé à Stekaro, tout le oui, que c'est Oudier Ivo, que c'est Doré Guichard, que c'est Libérus, tout le monde, yo prend la rue, il a parlé de respect de l'accord. Qui accord ça a croisé, à quoi ça a supposé, mettre face à face, juste Célestin avec Jovenel Moïse. Eh bien, si c'est vous ça qui t'a fait, Matélie, c'est tout organisé. Élection, pour qu'ils aient imposé Matélie organiser l'élection. C'est parce que le peuple a été rejeté le résultat de l'élection par la chose, qui fait que Matélie, parce qu'il a fait l'élection, finalement, j'ai obligé de passer derrière lui, ça va gagner l'élection. Mais s'il y a une réalité de fait que vous nous gardez, c'est qui est-ce qui récupère le pouvoir? Pour moi, ça, c'est le pouvoir qui est récupéré par. C'est pas l'opposition partie. Opposition qui est dans la RIA, et parce que c'est plus fort, hein, l'opposition de la RIA, va parler de la valeur. Et le parler de la valeur, va parler de. Bon. Si Petit Dessaline d'abord est dans le pouvoir, officiellement, eh bien, vous avez regardé, vous avez regardé, c'est Petit Dessaline, c'est formidable de la valeur, avec vérité qui est dans le pouvoir. Parce que privé lui-même, je suis sorti dans toute la salle. Et tout, je ne vois pas si vous parlez là-haut, c'est ou bien de la valeur sur ça, ou bien c'est les variantes de la valeur. Que c'est vérité de la valeur sorti, que c'est petit de saline, c'est récemment la papa se barrière petite, que c'est formé la valeur même qui se débataille. Et l'on regarde les compositions, cabinet ministériel, cabinet présidentiel là, et bien moun, c'est clair, moun qui est dans le cabinet ça, c'est des moun qui sorti de la valeur. Alors, c'est-à-dire que pouvoir tomber dans le camp de la valeur. Or, Matéli réalisé, je dis à lui, en position de faiblesse par rapport à ce qu'a fait en de pays, à composition pouvoir et machine répression Chapé-Lamény, machine administration chef d'État Chapé-Lamény, où il y a là, le retour dans l'opposition, et moun, c'est une d'accord de dire que Dieu moun qui est dans l'opposition, je dis à, c'est Matéli réellement avec Maurice Charles qui lui-même et semaine d'a réalisé que politique qui était choisie en Haïti, s'il va pas entrer dans le gouvernement, mais quel que soit le monde qui va entrer dans le gouvernement à pouvoir dire, c'est un projet chimérique Maurice Charles gagné parce que au pouvoir en face, il fait alliance à un série de monde qui était supposé allié naturel Moïse, mais je veux dire, c'est ma propre politique qui est liée, qui genre, pour chaque monde, il va choisir pour Vimano. Or, Moïse, c'est général en chef de l'armée de Dessaline, non? Monsieur a vu une expérience qui était difficile. L'expérience qui était difficile, c'est que d'un côté, il a décapité l'état-major Moïse Deschamps. Qui ça va entendre pas décapiter l'état-major pour le chercher? Pour le chercher, j'ai une série de monde qui est autour de lui-même, c'est au Ténois et au Dieu, puis des Salines, pour nous Moïse qui était proche, peut-être avec Mathias. Je dis bien peut-être, mais nous pouvons être en. Parce que chaque campagne Moïse Chal là, c'est
c'est la radio Moïse Chalaprenne que monsieur le cabinet président. Joseph Bouvier. Coordonnateur général adjoint, Philippe de Saline, à sa droite, le cabinet président. Et il y a son Alexis, qui est responsable de communication. Moïse Charles, c'est un des cabinets présidents. Pierre-Mont Georges, au nom de Bourbois, un de Saline, c'est un des cabinets présidents. C'est-à-dire que Moïse, son général, son état-major, par contre, il est là, il est trop derrière. Mais tu vois, état-major de lui-même, par un monde qui a commandé le régime Moïse. Est-ce que le général Moïse, qui réduit la réduit, est-ce qu'il y a pouvoir de convocation sous troupe Lyon? Ça, c'est une question que tout le monde qui a fait l'analyse politique va le poser et nous va le regretter pour nous garder la capacité de mobilisation politique de la même chose. Compte tenu de monde qui habite sur le terrain, c'est eux qui assurent la visibilité de Saline tout en débat national. Quand il y a là, de plus en plus, on voit que présent, comme il a là avec vérité, très fort en dans le palais national. Et pas des moindres, le retour de Jean-Marc Bellerive comme chef cabinet président, c'est tout bagaille. Le retour de Johanna Zgué comme conseiller président de la palais national montrait que vérité lui-même est aussi puissant, aussi présent en dans. Par national, tout comme en commun, d'un coup, on sait de l'autre monde qui est dans la famille Lavala, qui présente un cabinet particulier président. C'est-à-dire que bon consolidation de force réelle, capacité de mobilisation réelle, yo, que le privé a pris de côté. Pour nous, là, la question, c'est qui est le privé va faire face avec Emilio. Parce que monsieur juré ne va pas voter pour le Premier ministre privé là. Il y a une bonne spéculation dans la rue et qui a fait sous conseil de présence nous souterrain par rapport à l'utilisation du conseil de tête qui a en plus d'importance sur le plan politique en deux cabinets privés. On a pris des temps pour nous, qui gens ça va aller. Mais ce qui est important, au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, et coalition qui est différente de ce qu'a fait, tractation politique, pour qui je peux arriver, joindre en solution pour voter pour le ministre. Entre-temps, sur le terrain, il y a des problèmes graves. À Cayenne, en bas de l'eau, inondation. Au Cap, en bas de l'eau, inondation. Et il y a possibilité d'inondation imminent pour Gonaïve. Nous sommes les activités de Gonaïve déjà. Alors, nous voyons son tableau qui est de plus en plus sombre. Et pendant que Gagné, on voit qu'à pleuver de plus en plus, un Sénat, un deux chambres députés qui dit que, voit que la chambre députée qui vous le faire, il y a son vote qui est tout crasé par le monde. Or, le Parlement est même capable de craser par le monde. Et nous connaissons, le Parlement, ça a un problème qu'à Bayo. C'est surtout avec monde qui sortit dans l'élection le 9 août à 25 octobre, tout le monde considéré comme une élection marathon et le conseil de parlementaire est sous tête 40 000 $ Le chita là, et bien M. Sayo même, nous sommes qui sont positionnés pour être prêts à faire pas d'écoute. Si ça va le finir, on va suivre de près pour nous voir est-ce que le privé lui-même va utiliser en pile. Et astuce pour gérer M. Sayo, est-ce que par une confrontation qu'a faite, dans l'éventualité de confrontation entre le Parlement avec privé, eh bien, privé lui-même, qui a un pire division derrière lui, est-ce que Pounia, ça va forcer Chambre Sahara, qui déjà son chambre, qui a caché sous Béki, puis tout en plus. Bon, bon, Bélia, moi, je vais couvrir un volume activité là. On ouais ma poésie n'a pas premier parti n'a pas côté soulevé que me pense qui extrêmement important et surtout et puis tomber qui fait sous lui ça veut dire et corps et présidentiel avec membres qu'on mentionnait et surtout
Et il me semble que Privert fait lui-même ça que le pensez qui est essentiel, c'est que lui-même la font monter de front. Moment qui peut-être nous gagnons à additionner et Milan Maniga dans choix ça, bah oui. Bon, Milan Maniga jusqu'à présent, c'est pas in. D'après ça, il dit que je ne vais pas confirmer ça. Milan Maniga a dit que c'est le premier ministre ou rien. Wow. Donc, c'est le monde qui t'a parlé de ça. Le problème privé, c'est Milan Maniga. Oui. Le problème privé, c'est qu'il y a joué en solution avec faction minoritaire là, en Sénat, qui n'ont même pas voulu siéger les élections qui vont faire dans le Sénat. Parce que les gens disent qu'il faut qu'on élection pour faire dans le Sénat. Parce qu'on est plus avec le ministre du Sénat, il est le président de la République. Mais il y a une attente, besoin de pour le ministre du Sénat. C'est une compromis, M. Chapmane, qui faut que M. Position arrête là. Or, le réseau que M. Chapmane a eu une attente, président sénateur, parce que là, quand on a prévu pour que pas que le Sénat a réuni pour prendre des décisions qu'il faut, si jamais, bah, ça va juste à la Québec toujours. Or, moi-même, là, l'équipe à moi, ouais, son bagage qui va tomber, et sont de 120 jours pour voir ça, non seulement pas que je passe la tête, et c'est 90 jours pour le gars, vraiment, pas de possibilité d'organiser l'élection, et même prévoir qu'il n'y a pas d'élection du tout. Il n'y a pas d'élection du tout. Avec l'autre cabinet, le Chinois cabinet, il y a des possibilités que tout tenu le pays a des problèmes économiques. Bien, puisque il y a 10 sénateurs qui vont à l'élection plus devant, on va voir son élection générale qui a fait tous les sénateurs. Et ça, en fonction de ça, ça qui passait, on a son élection générale qui fait que les ni députés ni sénateurs tout à l'élection. Donc, en fonction de qui j'ai un rapport de force sur le côté, on va le voir, il y a quelque chose. Mais Mme Maniga lui-même, en soi, c'est un choix, soit considéré en termes de popularité peuple-là, mais en termes de monde qui a possibilité politique réelle, Mme Maniga a une possibilité politique de Fritz-Jean-Guerre pour mobiliser une série de groupes d'ELI. Et là, on parle de tout cela, on parle de famille d'Avalan, qui était un facteur très important et déterminant dans le plan. Je dis à reste à savoir. Donc, comme dit là, est-ce que Moïse lui-même pourrait aller voir M. Fonny Lavala dans ce béton? Est-ce que Moïse est capable de faire assez, poser assez de remous pour faire une forte vie de bon, et ça, c'est ça. Mais le point que nous avons fait, parce que nous pouvons entrer sous Moïse, oui, c'est que le type de démarche que Privé a fait là, côté que les pratiquement a bralé. Et Jean Soudbay là dans haut état-major Moïse Jean-Charles mais qui continue à développer Santare les moi-même une alliance qui gagne doit paraître une alliance face à danger politique haïtien, ça veut dire les gouvernements qui sont quittés, ça veut dire Matéli avec Caplume et autres, vous comprenez? Mais pour moi-même il est extrêmement important d'une part pour que Moïse Jean-Charles vraiment joue avec en pile sagesse. C'est que si Moïse Jean-Charles pas joué avec une sagesse nécessaire, ça a vraiment capable de découvrir monsieur côté que toute capital politique que se construit là. Et ça c'est pour tout le monde, oui. C'est que doit une bonne gestion qui doit avancer au fur et à mesure. Parce que nous pas de monde qui peut sortir dans aucun danger là. Quelle que soit la situation, c'est que la situation est une situation qui trouble. D'ailleurs, même dans ce moment, nous avons marqué avec Esfrades Augustin, qui est lui-même qui est dans la zone Hèche et dans la zone Pondiasso, nous avons marqué que question de sécurité sont véritable problème. Question que vous-même vous soutenez là, d'ailleurs, inondation dans différentes zones. Son véritable problème et question la manger est son véritable problème. Ce qui fait que le gouvernement ça a gagné en pile bagaille que l'a fait face déjà. L'extrêmement important pour phase politique li qu'on développe des alliances qui capable permettre que au moins li pa gen ça pour lui même pour le combattre. Ce qui est extrêmement important parce que de ce fait et Moïse Jean-Charles a un grand rôle pour jouer
et wall par là c'est pas vos pieds, c'est pas montrer tête ou comme un grand seigneur, mais c'est réellement jouer le wall de montrer que vous avez un certain niveau d'humilité et pour continuer à bataille sous principe qui te mène qui mène nous là aujourd'hui, qui fait que 24 janvier pat ou 24 janvier on réussite pour ni gouvernement matélien et puis ni force étrangère avec ingérence étrangère là qui t'a dit quel que soit la situation y n'a pas font élection le 24 janvier. So de ce fait pour moi même c'est une situation qui est extrêmement tangible, qui c'est pas une situation que ou capable de mettre pio à terre et puis les bien planter. De ce fait Moïse Jean-Charles doit jouer avec un pile sagesse. So pour moi même c'est une bagarre qui est extrêmement important Belial qui t'a dû faire. So ba konnen sou vle fon reaksyon sou sa. Bon, jodi a la, se ton de similite a, mde touve ke Moïse Jean-Charles te surestime kapasitel e surestime volonté soldat gen yo ki ale louen avèl. Pou ki sa mdi sa? Moïse Jean-Charles le ofwi len politisyen que vous arrivez à l'aise. Vous mettez le chef campagne. Vous chef campagne. Soit vous qui croyez à 100% dans son poumé. Alors, vous mettez le chef campagne. Lisez-vous clairement, il va faire partie de la partie. Je parle de petite dessaline. On est qui chef campagne ou pas la partie? Ah oui. Qui niveau d'allégeance mon tagué par rapport à bon. Bon, c'est au minimum. Oui, m'a pas qualifier d'allié de mercenaire. Préfère le parler de Fulen. Non, soit dire c'est ça parce que si mon n'a dit que le pas avoir, il montre il bon mercenaire. Vous voyez, il montre que clairement mes compromis, c'est où que choisir. Alors comme son monde qui en presse là, m'a bon coup de même, pas de problème pour m'aider. Oui. Mais de ce fait et j'en dis vraiment et ça fait en fait et pour moi même ce sont les son caractéristique microscopique de politique en Haïti hein. C'est que toute bagarre volée, toute ça toute application possible et pas rien vraiment côté que gon politique qui existait en fait c'est très rare qu'on ouelli et peut-être ouelli surtout avec organisation gauche qui traitait totalement en dehors de tout mais pas gain vraiment on allait comme si gain une philosophie politique qui développait en dedans au parti et que tout le monde ça yo éprouvé li et yo paré pour bataille pour lui du commencement jusqu'à la fin. So, de ce fait nous remarquons dans n'importe situation côté que pouvoir yo a changé nek ça yo tout même yo toujours adressé proche yo et proche comme ses premières situations qui adressé. Ces premières situations qui a décidé c'est comment moi-même m'apprêter dans position pamnan m'apprêter dans position pamnan pour me capable de continuer manger continuer faire ça m'a faire. So mais un gros point bon point important pour garder. On n'a qu'à faire politique en Haïti côté que monde qui autour de vous sont des monde qui financièrement fragilisé. C'est ça. Je fais 5 ans après le vote matin. On est bon gouvernement monté là qui semblait avec vous. Yo c'est mon habitude pour me contacter avec Claden. Vous pensez vous voir Claden? Normalement. Son calcul politique vous devez faire en tant que politicien dirigeant vous devez anticiper ça. D'accord. Que on pas capable mendier si me fait soit ça mais ça me risque perdu. Et monsieur perdu gros parce que m'a parlé des monde qui là et noyau dur petit de saline une aujourd'hui depuis que Moïse ouais mais Moïse a trouvé que je pensais le tapis bon pour se prendre à la radio il s'attendait que au monde de coup d'arriver le cabinet président pour se prendre à la radio il s'attendait c'est à dire que va dire les il y a coup toi as dit monsieur pas de décision ouais oui ça sont et pour moi-même qui montrait que je veux dire Moïse on est isolé et monsieur Té doit éviter tout Belia pour lui-même pour le publier et en fait lacune ça je pense que monsieur Té doit faire tout effort bon, pour pas besoin étonné que monsieur lui-même
mettre dehors. Ouais. Et l'aime de là m'étonner personnellement, regarde ça. M'étonner que me dit oh, je t'ai trouvé qu'on retenue là pour pas mettre bail ça dehors. Exactement. Ouais. C'est que c'est qu'on connaît comme bête de couteau là, non bail ça. So définitivement monsieur, j'ai montré que fragilisé. Il fragilise. Il fragilise. Il fragilise pour démonter ça là. C'est ça. Et comment est-ce que vous voulez bailler mon yon on t'y aller sous sous question inondation qu'on parlait ou parler de Okaye ou parler de et au Cap et puis avec qui troisième zone qu'on parlait en fait vous voulez font tirer aller sous ça on t'y j'en plus en bon, détail pas... sous gain quelques informations. Oui, mais au Cap sont, ça fait déjà plus d'une semaine, il n'y a pas de Cap, ils sont zone sinistrée. Ouais. Et au Cap il y a plus de difficultés pratiquement gen gouvernement c'est une bagarre qui vient à causer en pile monde réaction et des monde qui a dit que monsieur politicien n'est pas conscient du niveau de fragilité qui gagne la pays a et que mon yo va il va monter un cœur pour mourir. Ouais, mon yo nous grand pile problème et au Cap là il a besoin des interventions rapides. Mais il a pu capturer une jeudi à Caen en bas de l'eau. Ouais, et il y a un jardin qui est menacé. Et il y a un le cyclone de Jeanne dépassé. Ça a été fait dans Gonaïve. Mm-hmm. Et Gonaïve, vous connaissez une ville qui est en bas de la mer. Ouais, en dessous du niveau de la mer. C'est ça. Donc n'importe la privée, c'est une ville qui est menacée pour le nez. C'est ça. C'est le problème ça qui est là jeudi. Une situation vraiment difficile au Cap. Dans une zone NMB, et comme ça, il y a plus de gros inondations. Bon, c'est ça, son véritable problème, vraiment, et j'en dis, hein, c'est que ça fait part de tout ton. Des grands caractéristiques historiques, des grands caractéristiques tout, et Sandaré, et même 21e siècle, ça, à côté que la société haïtienne, là, incapacité li, de gérer. Et quel que soit que ça vient pour gérer, ça veut dire pas qu'à gérer espace là, il pas qu'à gérer population ni et population était de plus en plus une population avec et bras à balayer à côté, vous comprenez ce qui fait que son situation que me pensais vraiment côté que dans chaque fois gon situation qui a évolué dans pays là, danger ça a toujours montré est-ce que c'est des milliers de morts qui pour faire et d'ailleurs Noël, pas vrai, parce que nous avons des centaines de milliers de monde qui mourent et jusqu'à présent pas pour dire en dans société hein, bon certain niveau de conscientisation qui prend yo saute faire là 5 ans avec un orage présidentiel côté que au lieu pour faire pour planter pied bois qui réellement c'est barrière contre inondation que yo yé il a accepté participer dans des élections dans des carnavals pendant 4 ans avec caractéristique carnaval et ça côté que monsieur fait 8 carnavals et pas gain des millions de pieds bois qui plantés pour renverser situation ça qui est une situation qui mettait société haïtienne là réellement non c'est à the precipice when say ou devant trou et puis gain moun c'est moun pauvre c'est au même qui a poussé dans tout pour rentrer dans trou ce qui fait nous son réalité qui est extrêmement grave et qui pral encore renforcer question la misère parce que l'orgain bail ça qui a fait l'orgain inondation faut qu'on comprendre que gain en pile manger tout qui pral aller et ça pral créer encore ça pral augmenter sous crise là et il pral simplement tout et belia il pral augmenter dépendance là avait dit que zone au Cap là toute zone Wada Metro toute zone côté que dominicain yo gen percé et mais dominicain yo pral joindre opportunité encore pour capable c'est eux même qui pour refournir et communauté ça yo avec manger bon pratiquement sans dire c'est ça faut un l'État qui est capable d'anticiper, qui est capable de prévoir. Et je dis à là, c'est extrêmement difficile pour les gens qui sont déjà fragilisés. Nous voyons une situation côté que, il n'y a pas si mal, c'est dans la salle nous tombons là. Nous souhaitons que, bon, monsieur, on comprenne la nécessité pour gagner des.
décision qui prend pour aller au secours de Mounsayo, qui je dis à retrouver la situation, côté fragilisé net, par rapport à ça qui a développé en Dapéga. C'est très important pour ça faire. On va rentrer sous table quelques minutes là, parce que nous allons côté là, nous avons perdu contact. Ah, pas de problème, nous avons pour une pause et on pour une pause pour deux minutes. Et en même temps, tout ça m'a fait avant que nous prenions pause là, nous prenons une pause. Mais nous avons aimé encore bail numéro de téléphone là. Le numéro de téléphone là encore, mesdames et messieurs, c'est 347-719-2035. Encore 347-719-2035. Encore nous avons Jean-Béliard Lucien sur l'île. Et Béliard pral ponti la fond déplacé nous même tout nous pral courir pour une pause et puis n'a pour tourner là dans quelques minutes. Merci. Voilà.
ka plonger le sou pou kan sa Ti mou fonte ka plonger le sou ki ti sa Sosa et encore mesdames et messieurs, on attend des cafou la caille sur ACR TV. Alors, je dois dire que mon Sosa est tellement excitant parce que il kembe toute une période. Alors, c'était une on vient de dire, c'était une grand en fait, c'était première plaque Bokan Guinée, mais apparition artiste ça que nous était ouais dans plaque et Bookman Experience là et qui relait Eddie François, c'était une son chef-d'œuvre. D'ailleurs, monsieur son monde qui est reconnu à niveau international. Et comme toujours, il y a une bagaille que nous avons en fait avec le type de Mounsayo, c'est que comme communauté haïtienne, c'est une communauté haïtienne qui vient masquer avec les protestantistes et puis toute l'autre sorte de. Et ça nous a dit une sorte de flavor ou bien une caractéristique réellement à l'américaine. So, de ce fait, type de Mounsayo, dans la société haïtienne, c'est un petit point moun surtout dans la diaspora qui apprécie yo. Ça veut dire si ou mené Eddie François artiste vinn pour moun vinn tande li n'a pour moi que presque toute une génération pas c'est un point de moun seulement qui va vinn tande monsieur. Mais cependant sous pour haïtien qui joue musique reggae qui joue musique qui pas rien pour eux bon en fait son genre son sorte de son bagage côté que toute société a joué toute l'autre musique mais et caractéristique ça extrêmement important c'est que si ou est c'est reggae mon a joué et moi après parce que tout une série de jeunes tout c'est le monde capable venir entendre lui encore c'est toujours comme ça mais cependant Eddie François son monde que yo pas seulement entendre aux États-Unis mais yo entendre lui son monde qui voyage au Japon côté que yo ba monsieur grand accolade et monsieur joué pour et pour en fait pour audience japonaise là ce qui fait que c'est ça mais nous t'aimer mais quitter tout le monde connaît que émission ça que n'a attendé les vendredis soir en fait et Kafou Lakay li patronné par à Romaric Shipping et à Romaric Shipping qui ship en fait qui pas seulement couvrit et véhicules mais elle couvrit toute une série de conteneurs toutes sortes de bagages que mon a voyé les couvrit Gaïe les couvrit Guyana les couvrit Caraïbes les couvrit toute Caraïbes tout pays dans Caraïbes là elle couvrit Afrique tout ce qui fait que encore monde qui est intéressé qui t'a connu mais connu plus il est capable de téléphoner à Romaric Shipping et le numéro de téléphone là c'est 973
690 53 63. Encore, et mes numéros de téléphone, non? Et numéro de téléphone, encore, c'est 973 690 53 63. Encore, et non, c'est Aromark Shipping, entre parenthèses. C'est une mauvaise lecture de ma part qui fait que c'est exactement ça. Encore, et émission aujourd'hui, encore, nous avons Bélier, pas oublié, qui part dans le studio. Hein. De ce fait, c'est tout un effort pour nous capable faire le maximum pour nous prendre Bélier par téléphone. Et de ce fait, ça permet que nous pas arriver à tendre web Bélier et en chair et en os. So, c'est petit à petit que nous avons évolué sous situation. Nous avons essayé de regarder pour nous voir si nous sommes capables de rejoindre Bélier là, parce que nous est arrivé dans la destination. Et puis nous pouvons regarder, nous avons retourné bien vite là pour nous voir si nous capables de retrouver lui. Mais nous avons dit, et nous avons fini l'émission à 9h22 et encore 9h22, entre 22 et 25, et avec le producteur Yves Dosoula, nous avons Yves, c'est pratiquement dans la zone sérieuse que nous croyons que nous avons obligé de fermer parce que après ça, c'est l'émission qui va venir, c'est une émission qui touche au tout bouquet là et yo pas qu'attendre puis monter avec artistes africains qui eux même et nous pas gagne non c'est malheureux mais si gagne nous capable joindre n'a capable venir joindre n'a capable bail quitter mon yo connaît qui est capable venir après encore téléphone pour monde capable participer à soir c'est 347 719 2035 numéro téléphone que nous même nous doit marquer kembe mettez sur téléphone nous téléphone là c'est 347 347 719 2035. Nous prenons une pause et puis nous prenons une capable de retrouver l'homme Jean Bélier Lucien. Merci.
Et encore, on a dit bonsoir à tous les téléspectateurs avec auditeurs qui attendent des émissions qui est les Kafou Lakay que nous attendons chaque vendredi soir et mardi soir. Le vendredi soir, il commence à 8h. Bon, nous avons dit, bon, et si nous voulons retirer ponctualité, des fois, nous commençons entre 8h et 8h15. Et émission en tout, nous sommes capables d'attendre les mardis à 6h30 de l'après-midi pour 8h du soir. Ce qui fait que encore, qui est animé par Jean-Béliard Lucien et avec moi, surtout les vendredis et parfois les mardis. Et encore, c'est Hans. Je pense que une des choses que Billy a fait dans la radiographie que lui a montré là, lui a nous tout un série de contradictions encore qui continuent à évoluer en dedans et gouvernance haïtienne. Et je ne crois pas que ça pourrait changer dans avec les situations qui a évolué là. Ça va pas pral gain un grand changement dans tension qui existait parce que gain un série de grands enjeux qu'il a. Et grand jeu sorti premièrement me penser question audit là son point de nerf qui est extrêmement important mais le pas seulement important pour faire pour le temps en pile haïtien dit il pourrait dire mais comment se fait-il que pas de faire pour gouvernement que tu viens avant on doit comprendre question gain sens li mais ça qui est important c'est que faut qu'on ait un point de départ et point de départ là est capable c'est lui même tout qui commence mes tours son bon chemin. Ce qui fait que ça qui est essentiel, là, c'est que l'idée est faite. Ça qui est essentiel, là, c'est que nous pas qu'à entrer avec des idées préconçues, même si nous devons bien comprendre, et nous devons bien connaître, nous devons bien sentir que il y a un abus qui était fait, et un abus qui était fait de façon énorme sur le gouvernement matériel. C'est qui ça qui peut faire la vérification? C'est audit là. C'est audit là qui peut faire un audit qui réellement très développé, très intrusif, pour être capable d'entrer dans l'État, pour être capable de banon, surtout avec toutes différents et gens que dépenses ont été faites dans l'État. Ça. Et en même temps, tout l'extrêmement important pour une évaluation de fonds qui sortit à l'étranger et encore, l'important pour nous-mêmes, que l'on attend des types d'activités, pour nous bien comprendre que son taxe. Yo taxé population haïtienne à l'étranger, ça que yo les diaspora, yo taxé avec $50 lan et yo taxé li avec 5 centimes lan. Et ça extrêmement important parce que pas oublier que c'était une base révolution américaine nan, c'est que c'est taxé moun sans que moun sa yo pa gen droit pour yo représenter tête yo sous aucun forme en dans l'état ça. So, c'est ça les taxation without representation. Et en même temps tout, c'est un fonds qui pas de jamais fiscalisé. Et qui ça veut dire l'on monde dit il pas de jamais fiscalisé. Ça veut dire que pas jamais il y a des données concrètes de combien fonds de combien corps qui entré. Ça c'est premier bagage là. Mais deuxième bagage là, il pas jamais entré comme un fonds qui fait part de l'État. Il n'est pas jamais entré comme un fonds qui fait part de l'État. Ça veut dire que l'État lui-même est en gestion. Il est simplement entré en bas pouvoir exécutif. Là, qui fait que pouvoir exécutif, ça, en parlant de Michel Martelly en particulier, il a le droit pour utiliser fonds ça, Jean que le voulait. Ce qui fait que c'est ça qui a baillé tout le monde. C'est que des fonds qui sont utilisés librement, sans aucun restreint, et puis fonds l'État, généralement tout, c'est toujours des fonds, même là que c'est le grand public que tu as supposé bénéficier ou bien pour la gestion d'une nation, mais fonds l'État, c'est toujours une tournée des fonds privés. Ça veut dire que yo fait à fond, yo, ça yo vle. Nous pas connaît si nous peut-être entendez que c'est fort possible que nous gagne Béliard soulignant. Béliard nous à bout d'émission, ce qui fait que on nous dit nous étions à faire de 3 minutes. Parce que nous avons un pile de monde là qui a voué pied. Et en fait, nous avons un artiste là, un artiste en flèche et qui sorti en Afrique là. Nous n'avons pas qu'à attendre pour artiste ça monter et venir participer dans l'émission qui pourrait suivre nous là. Émission ça va suivre nous. C'est pas une émission qui a pour un seconde là, papa.
Je suis bien content de me retourner, parce que je vais retourner. Je pense que vous faites un bon travail sur le point que vous avez fait là. Je ne vais pas épiloguer sur vous davantage. Et sinon, on a bail aux auditeurs, au rendez-vous aux téléspectateurs, mardi prochain, pour notre édition de Kafou Lakay. Merci Belia, on a dit certainement c'est ça, on a pris le quitter là. On a dit tout le monde encore, et tendez l'émission les mardis, tendez l'émission encore les vendredis, restez branché sur ACR TV, nous t'attendez Kafou Lakay, et encore pas oublier que l'émission s'est patronnée par Aromark Shipping, et téléphone encore, ce téléphone là c'est 973-690-5363, encore 973-690-5363 et encore yo pour tes machines avec compte l'autre bagage que nous-mêmes nous qu'on a voué la caillou et yo couvri un vaste territoire. Portez-nous bien encore avec nous, c'était Hans. Nous gain Jean Bélier Lucien lui-même qui était souligné, n'a dit tout le monde passe un très bon week-end et n'a pas nous mardi sur ACR TV et sur Kafou Lakay. Et n'a dit tout le monde encore et branché et il ne va que nous taimer ouais là c'est que pas oublier n'a pour remercier Yves Dossou, n'a pour remercier Odin, n'a pour remercier encore tout le monde qui participait que monde généralement pas ouais mais c'est monde ça qui permet que l'émission lui-même li là et c'est li fonctionnel et fait à un niveau professionnel encore n'a pour joindre l'émission ça sur YouTube et en même temps tout n'a pour joindre sur Facebook. Ce qui fait que au fur et à mesure, nous avons besoin de plus de link et nous souhaitons que peut-être nous capables mettre le link même sous screen, dans le, et, en fait sous écran, nous avons fini l'émission. Ce qui fait que nous avons dit tout le monde encore, bon week-end et encore à mardi.